Yo tout le monde, c'est Mnimo, comptez-vous, écoutez-moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment mettre modérateur quelqu'un sur sa chaîne YouTube. Donc, du coup, tout simplement pour cette vidéo, vous aurez besoin de Chrome. Donc, du coup, vous allez sur la barre de recherche Chrome et vous tapez www.youtube.com. Vous validez. Et normalement, vous allez tomber sur une page comme la mienne, sauf que il y aura les vidéos à gauche. Toutes les unes derrière les autres et les titres à droite, c'est normal, c'est la version mobile. Donc simplement, je vais vous passer un petit extrait de vidéo pour vous montrer comment rendre la version mobile en version ordinateur tout en étant sur un téléphone. Dirigera sur cette page. Pour cette troisième étape, vous avez juste à cliquer à remonter en haut à droite et à cliquer sur les trois petits points. Pour cette quatrième étape. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, vous devez cliquer sur les trois petits points. Moi, ils ne sont pas affichés parce que j'ai déjà fait ce processus. Donc du coup, vous aurez des options à choisir. Vous devrez cliquer sur l'option PC ou ordinateur. Du coup, moi, ça m'a marqué ordinateur. Peu importe, ça vous marque PC ou ordinateur, vous cliquez dessus. Donc du coup, ça vous marquera pareil que moi, vous aurez le même écran que moi. Donc du coup, vous allez zoomer à côté du logo YouTube sur les trois petites bandes. Vous zoomez et vous allez sur ma chaîne. Donc du coup, bien évidemment, je précise qu'il faut déjà avoir créé sa chaîne YouTube pour rendre quelqu'un modérateur. Alors du coup, c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à bien écouter. Donc du coup, vous allez voir votre bannière et votre logo. Et ici, vous allez aller sur gestionnaire de vidéos. Donc regardez, je dézoome un peu et on le voit. Gestionnaire de vidéos. Du coup, vous cliquez dessus. Donc du coup, vous allez voir vos vidéos, vos vues, les likes, les commentaires, les pouces bleus et tout ça. Donc du coup, vous allez aller sur l'onglet communauté. Et donc du coup, à ce moment-là, il va vraiment falloir bien écouter si vous voulez réellement mettre quelqu'un modérateur sur votre chaîne YouTube. Donc du coup, vous allez aller sur paramètres de la communauté, toujours dans les petites options YouTube, sur paramètres de la communauté. Et c'est ici que vous allez rendre quelqu'un modérateur. Donc du coup, vous avez tout en haut un petit onglet avec marqué modérateur. Donc du coup, il y a un petit avertissement. Je tiens à vous rappeler quand même que le modérateur pourra, comme c'est marqué, également modérer les messages du chat et de votre diffusion en direct. Donc du coup, il faut vraiment lui faire confiance. Ne le choisissez pas au hasard. Faites-lui confiance et voilà. Je vous dis, c'est le mieux. Et donc du coup, vous avez une petite barre de recherche ici où vous devez taper l'URL de la chaîne du nouveau modérateur. Donc du coup, bah, vous tapez ce que vous voulez. Du coup, voilà, ça c'est mon modérateur. Et donc du coup, ici, il y a marqué le nom du modérateur, bien évidemment. Vous n'oubliez pas d'enregistrer, c'est très important. Donc du coup, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à aller me follow sur Snap, sur Insta et aussi sur mon Discord, donc du coup mon nouveau Discord. J'ai créé un serveur Discord YouTube qui s'appelle YouTube. Donc du coup, tout simplement pour pouvoir poster toutes mes vidéos YouTube sur mon serveur Discord. Et aussi du coup pour pouvoir espérer plus d'abonnés et plus de vues sur mes vidéos. Voilà, donc allez me follow sur Discord, Snap et Insta. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était la Minimoise. Ciao!